J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, la fameuse vidéo chaque mois. Je vous avais promis, alors on fait ça depuis quand? Depuis le mois d'août, je vous ai promis chaque mois une vidéo rangement de l'extrême. J'avais fait la première vidéo, je vous la mets dans le petit i, c'était la version sur ma chambre où j'ai vraiment beaucoup trié. J'ai été vraiment très efficace dans ma chambre. Le mois de septembre, j'étais un peu moins efficace, mais j'ai rangé ma partie bureau bibliothèque. J'ai réussi à pas mal trier, mais c'était pas encore assez à mon goût. Et là, on va passer à la partie salon. Vraiment, à côté de mon bureau, il y a la partie salon. Et là, alors je ne vais pas vider mon salon et virer tous mes meubles, hein, non. Mais je vais virer sûrement plein de choses dans mes étagères de salon, faire un gros tri au niveau de tout ce qui est DVD, tout ça. Vraiment, il faut que je vire. Donc on va s'occuper de ça, je pense, dans cette vidéo, tout ce qui est meubles de salon. Et essayer de débarrasser un maximum de choses. Je ne sais pas si cette vidéo, du coup, durera très longtemps. Si, il y a un peu de temps, je rajouterai la cuisine, même la cuisine me paraît un peu trop grande. Je verrai ce que je ferai. Mais peut-être y aller petit à petit. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo par mois. Je verrai si je me lance sur le salon et la cuisine. On verra si c'est vraiment trop court, je ferai salon et cuisine. Et si c'est vraiment trop long le salon, bah, je resterai sur le salon. Hein, c'est vous qui verrez la suite du coup, parce que moi pour l'instant, au moment où je vous dis ça, je ne sais pas. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo rangement ensemble, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour voir la suite de mon rangement. Tous les mois, une étape, une pièce, et on espère qu'à la fin de l'année, d'ici juillet, on est quasi bien trié cette maison, ou en tout cas fait une grosse partie du tri. Croisez les doigts, parce qu'il faut que ça marche, parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent ensuite. Donc j'espère que ce sera le cas. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve plus tard. Nous voici dans mon salon. Alors je vais pousser cet énorme gros colis qui n'est pas pour tout de suite, mais sinon il se présente comme ceci. Et j'ai d'ailleurs déjà fait un peu de tri à ce niveau là parce que j'ai enlevé tout ce qui était décoration d'Halloween. J'ai juste laissé tout ce qui était automnal parce qu'on est encore en automne, et puis après je vais bientôt mettre la décoration de Noël. Ici voilà, vous voyez un peu le bazar. Bon, ma foi, il n'y a pas beaucoup de bazar. Ça, ce sont des choses à vendre pour Vinted, donc je les stocke là pour pouvoir faire des photos régulièrement. Là-bas, ce sont les fameux jeux de société. Il faudrait que je trie la table et ces deux buffets-là. Vous pardonnerez, la lumière a décidé d'aller et de venir. Pourtant, il est 13h30, hein. Mais voilà. Donc vraiment, mon objectif, c'est de trier l'intérieur de mes deux rangements ici et puis de ma petite table là-bas. Donc on va commencer par celui-ci, il y a énormément de choses à l'intérieur. Et ben on va trier. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. On a vraiment beaucoup trop de choses à mon goût. Il va falloir que j'organise. Alors qu'est-ce qu'on a là? Voilà
le petit bilan de ce que j'ai déjà trié. J'ai mis vraiment de côté tous les DVD et je pense que c'est ce que vous allez voir principalement dans cette vidéo parce que j'ai décidé de tirer un trait sur tout ce qui est DVD. Maintenant, on retrouve quand même assez facilement sur internet, on peut acheter sur internet, sur notre Amazon Prime, etc., des films et les garder du coup en version numérique. Même si ça me fait un petit pincement au cœur de me séparer de ma collection et puis de ces petits DVD là, Le Roi Lion, des films mythiques, Retour vers le futur, il y avait les Gremlins, etc. Mais bon, je vais faire regarder à mes enfants certains des dessins animés et puis après on va s'en débarrasser. Je pense que vous retrouverez ça sur Vinted ou je vais peut-être passer par l'application Momox pour voir si c'est repris à bon prix. Ça, je vais voir si je les revends parce que ce sont les fameuses, comment ça s'appelle, un peu pour mettre dans les brûleurs, c'est de chez Yankee Candle, donc c'est tout un lot. Et il y en a pas mal, donc je vais voir si j'en utilise quelques-unes et puis il y en a d'autres que je vais vendre, je pense, offrir autour de moi. Sinon, j'ai quand même pas mal vidé déjà, hein, évidemment, si on enlève les DVD, ça vide, hein, ça permet de pas mal trier. Et là, en revanche, j'ai rien trié parce que c'est tout ce qui est bougie. Et mon objectif, c'est de ne pas en racheter tant que j'en ai encore ici en stock. Donc je ne cesse de les utiliser un petit peu par petit peu, hein. Vous voyez ici il y en a déjà qui sont en utilisation, donc voilà, j'en rachète plus, j'utilise celles qui sont là. Ici dans le meuble sous la télé c'est du coup la même chose, donc il y a des DVD et des Blu-ray et je pense qu'on va aussi s'en débarrasser, hein, parce que voilà, on va rien garder. Et voici tous nos DVD, on les a à peu près triés, on dirait pas comme ça mais on les a triés. Et il n'y a plus qu'à mettre en vente. Il y en a énormément. Honnêtement, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet. Tout cela, ce sont les Disney. Et ça, c'est autre. Il y a des collections de films. Ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a les fameux Two Light, etc. Vraiment, il y a tout. Il y a des DVD et des Blu-ray. Donc ça, il n'y a plus qu'à dégager. Je vous retrouve pour finir cette vidéo rangement. Et oui, j'ai fini par mon tri et tout ce qui était Halloween, j'ai mis dans un sac. Je pense que je vais vendre sur Vinted un lot Halloween, comme ça je vais voir si ça part. Sinon je donnerai, on verra bien. En tout cas je vais mettre ça à petit prix puisque l'objectif est de me débarrasser. Et pourquoi je me débarrasse de tout ce qui est Halloween? C'est des choses qui sont en bon état mais que je ne pense pas réutiliser l'année prochaine. Et voilà, on passera pour la prochaine vidéo rangement un petit peu de l'extrême, même si là ce fut une vidéo courte puisque j'avais finalement que des DVD etc à ranger, à enlever. Je n'ai toujours pas vendu sur Vinted, d'ailleurs je vais essayer de faire ça très bon. J'aimerais vraiment rester connecté sur mon Vinted, je vous le mets en barre d'infos, mais je vais essayer de mettre ça prochainement. Et mon objectif sinon c'est de les emmener dans un truc style Easy Cash ou... D'ailleurs si vous avez des bons plans pour moi n'hésitez pas. Alors je suis preneuse, je vais poser mon sac et on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour cette pièce là qui est donc la cuisine et où il y a vraiment beaucoup de tri à faire, vraiment beaucoup plus que le salon, puisque ma foi finalement dans le salon on n'a pas beaucoup de choses à part des plaids, des coussins, des trucs comme ça, mais j'en ai pas non plus à foison, donc et finalement j'ai pas beaucoup de déco qui servent à rien. Donc là j'ai trié donc la déco Halloween, la déco d'automne, même si la déco d'automne je vais quand même pas mal garder de choses parce que j'en ai pas beaucoup et j'aime beaucoup ce que j'ai déjà. Mais après, pour la cuisine, ça va être une autre histoire. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo tri dans ma cuisine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Alors étant en plusieurs fois, je suis désolée, à chaque fois, j'avais pas la même tête. Hein, mais vous savez comment c'est. Une maman de 3 enfants qui travaille à temps plein, etc. Bah, c'est compliqué de faire du tri quand on n'est pas en vacances. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos astuces de rangement de tri de vente. Je suis preneuse, hein, vraiment. N'hésitez pas dans les commentaires à partager. Comme ça permettra aussi peut-être à d'autres personnes qui font du tri d'aller voir un petit peu les choses intéressantes, les bons plans que vous avez. On est tous preneurs, je crois. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut !